We are here in the Lavaux. You see really the grapes around of the Lake of Geneva. It's a UNESCO heritage area, and I think it's the most beautiful, really, Swiss vineyards we have. The grape here is Chasselas, which is also the main white wine grape of Switzerland. And the origin of the grape, they recently found out, is really coming from here. Les premières vignes qui ont été plantées, c'est environ 800 ans. Mais le Chasselas, il existe depuis 800 ans dans la région ici, au bord de la rivière Alémanique, parce qu'on croyait toujours que ce Chasselas, il venait d'Égypte, importé par les Romains, etc., etc. Puis il s'avère que c'est tout faux. Et c'est assez extraordinaire. Pour nous, ça nous réconforte parce qu'on a notre cépage, oui. Qu'on croyait qu'il venait d'ailleurs, mais on a notre cépage. Et on est très fiers d'avoir notre cépage Chasselas qui est originaire du bassin lémanique. Et après, du bassin lémanique, il est monté la vallée du Rhône en Valais. Et ça, il a pris le nom de Fendant. The one thing that is connected to Chasselas, especially from the Canton Vaud, they call it un vin de soif. So meaning a vin de soif, you drink it against the thirst and you drink it when you're thirsty. So it has to be a light wine, a gentle wine, a fresh wine, a crisp wine. This is Chasselas. Pourquoi on dit que le Chasselas c'est un vin de soif? On dit que c'est un vin de soif parce qu'en général c'est un vin qui est friand, qui est fruité, qui n'a pas trop d'arômes non plus, qui n'a pas trop de richesse alcoolique. Et il a une finale en général très légère, très agréable. Dans la région du Désalais, on parle d'un phénomène exceptionnel des trois soleils. C'est-à-dire qu'il y a le soleil qui est naturel, il y a le soleil qui vient du reflet du lac, et puis ensuite, il y a aussi la nuit, les murs de pierre qui ont accumulé la chaleur de la journée, du soleil, qui les redonne pendant toute la nuit. On parle du troisième soleil. Et de plus, un terroir d'exception, puisque très peu profond et sur de la roche. Le vignoble du canton de Vaud est cultivé en production intégrée, ce qui est une garantie, un certificat de qualité, un certificat de respect de l'environnement et de développement durable. On parle dans ce sens-là que le vignoble est un des plus propres au monde, si ce n'est le plus propre au monde dans la manière de cultiver. Prenez un Chasselas qui est produit en Désalais, il n'est pas tout à fait la même chose que ce qui est produit un petit peu plus loin, à Épaisse, ou à Chardonne, ou à Villette, même qu'on soit vraiment dans une configuration où les vignobles sont proches. Et c'est ça, un grand cépage. Le Désalais comme terroir, pourquoi il est différent? Alors, le Désalais est la seule région entre Lausanne et Vevey qui a des sols très anciens. Ça, c'est des sols qui ont 30 millions d'années et non pas des sols de moraine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose? La deuxième chose qui est importante, c'est le climat. On a une orientation sud-ouest, et une pente très forte. Donc, on a un effet de soleil qui est relativement tard, mais très violent l'après-midi. Et comme on a une pente très forte, on a toujours beaucoup de vent, soit des vents thermiques, soit le soir, soit la nuit. Un vin de plaisir. If you don't know Swiss wine and you want to make the first impression and the connection with it, I strongly recommend to come here to the Lavaux
look at the lake, look at the grapes, take a glass of Chasselas, drink it, enjoy it, and you will fall in love from the first sip. J'ai mon cépage préféré qui est le Chasselas et je trouve que je suis le plus heureux dans une région fantastique et unique. Je ne sais même pas pourquoi je vais en vacances, parce que quand je vais en vacances, que je reviens, je dis, mais mince, je suis allé si loin alors qu'il y a la beauté par là. I think wine producers that live here and work here are very blessed and very very really blessed, because you have in front of you, you have Lausanne, behind me is Montreux, you have these beautiful slopes, very deep, you know, it's not obvious and easy to work here, so you need a lot of energy and strength, but this beauty, you see this, you know, I get all the time so emotional when I'm here, you can cry, you look at it and you say, wonderful, and then you hold a bottle which has the same name of the village where you're standing, so I mean, this is for me happiness completely.